Moins qui rate la cible. Desruisseaux va reprendre. Desruisseaux, courte passe à Vermette, tout près de la ligne bleue. Vermette va envoyer pour Alex Wong, c'est réussi. Wong s'avance, une feinte, un deuxième, son tir qui est dévié, bloqué, le retour. C'est Desruisseaux qui avait bien dévié le disque. C'était bloqué sans trop le vouloir là, par Desruisseaux. Desruisseaux revient derrière à Boulens, dans l'enclave, son tir bloqué. La rondelle long revient. Ouais, très long retour jusqu'à Boulens. Wong envoie à Boulens, c'est permuté. Boulens, il y a l'espace, son tir qui est bloqué. Il y avait beaucoup d'espace pour Petteris Boulens. A passé un cheveu. Là. Ouais, bon arrêt ça. Envoie pour Jordan qui rentre du côté droit, 20 secondes à la période. Parent. Jordan plutôt. Jordan. Quelques fins, besoin de l'espace. Envoie pour Landry du côté gauche. Landry, son tir bloqué par Hernandez. On va reprendre à sa droite avec 12 secondes. Lige, manqué le numéro. Le compte en entrée de territoire. Le compte. Quelques fins, veut couper dans l'enclave. Le compte, une passe tentée. Oh, ça dévie. Ça revient à Uzero. Uzero décide de revenir sur ses pas. Uzero. Un tir qui frappe au poteau. Le but. Loïc Uzero prend un tir de la ligne bleue et marque. C'est 1-0 pour les Sox. Une bonne vieille rondelle qui avait des yeux là-dessus, François. Alors, un tir de la pointe, d'assez loin, des poignets. Excellent, très bien placé par... Garlicek pour Parent. Parent, permutation, laisse à Garlicek. Cercle droit, revient Garlicek. Son tir qui est bloqué par Hernandez. Pas de retour, on va reprendre à sa gauche. Et on dirait vraiment que le gardien là, de l'Océanique Wintel... De l'Océanique des Olympiques. Il ne veut même pas garder cette rondelle. Paillé. Il veut rien savoir. Passe dans l'enclave. Oh! Boissel qui est seul. Boissel, une feinte, un tir. Quel beau but. Hernandez a été déculotté par Justin Boissel. C'est l'égalité. Ouais, alors au final, là, revirement de situation. Les Saguenayens qui ont bien failli faire 2-0. Le tir de Alex Wong qui a tout juste arrêté. Et maintenant, on fait maintenant partie des Olympiques de Gatineau. Alors qu'est-ce qu'on va rendre comme décision? Ça semble. Pas de but. Wow. On est surpris ici. Et voilà. Tire en échappé. Repli de Prudhomme. Mainville s'avance. Veut protéger le disque, mais perd la rondelle. Gagnon reprend. Beau jeu de... Alors que Payet, attention, Payet peut partir seul. Quel revirement, un tir et l'arrêt d'Hernandez. Drôle de séquence. Un autre tir de Mainville qui rate la cible. Il veut couper au filet. Il est rejoint par Boulens. C'est ce qui dévie. Les Sags veulent dégager. C'est Félix Gagnon qui va le faire, mais c'est annulé par Boissel. Son tir bloqué par Hernandez. En plein contrôle, là, le gardien des Sags. Et dégage aussi une confiance qu'on n'a pas vu dans les derniers matchs. Vermette pousse pour Duquette. Duquette, quelques fins, pousse derrière les défenseurs. La Durantin qui est là. Vermette fait glisser pour Lecomte. Lecomte, une passe devant pour Duquette. Une fin de tir à le but! Émile Duquette qui double l'avance des Sacs. C'est 2-0. Vilaine chute par la suite d'Émile Duquette. Mais wow, quelle passe de Nathan Lecomte en direction de Duquette qui va réussir là, à marquer ce gros but avec 5 minutes 09 à faire en troisième période. Pas beaucoup avec 3 minutes 20 à faire à la troisième période. Ça revient à la pointe cercle gauche pour Ling. Ling est bousculé. Derrière, c'est Payet. Payet s'avance. Son tir bloqué par Hernandez. Rondelle qui glisse et le but. Sur une drôle de séquence, on vient de priver un jeu blanc possible à Mathias Hernandez. Ouais, la rondelle qui finalement glisse tout doucement. On l'a entendu, ça a frappé l'équipement. De Mathias. Va prendre Uzero. Veut dégager. Ça revient à Mainville. Mainville récupère le disque. Envoie pour Golicek du côté gauche. Golicek, une passe devant le filet. Le disque est bloqué. Le retour, le but. Ce qu'on ne voulait pas qu'il arrive, arriva. Justin Boissel crée l'égalité. Alors, contrairement aux Saguenayens, les Olympiques ont été en mesure là, d'aller chercher une rondelle sur un retour de lancer. Alors, Mathias Hernandez là, qui. Revient sur ses pas. Avec Uzero, permutation avec Lavallée. Une feinte d'Uzero. Uzero laisse pour Lavallée. Lavallée, il y a l'espace, son tir qui est bloqué. Quelle belle séquence orchestrée par Loïc Uzero qui a complètement fait mordre les autres. Desruisseaux à Lavallée, il y a l'espace, son tir bloqué. Le retour Desruisseaux. Une feinte. Desruisseaux. Alors qu'on. Une des deux victoires la saison. Émile Guitté récupère le disque. Guitté s'avance. Fin de tir, deuxième et le but. But facile par Émile Guitté qui a fait compromettre Wendell. Les Sacks mènent en tir de barrage. Ouais, ça devient presque une fin de signature. Korneyev récupère le disque, s'en va très large du côté droit. Korneyev s'avance. Fin, une deuxième, sortir le but! Et encore une fois, Wintel s'est juste tiré au sol, donnant tout l'espace nécessaire à Korneyev. Quasiment un copier-coller là, de la part de Korneyev. Alors pour la victoire, François, cet arrêt de Hernandez. C'est Julien Payet qui va très large du côté droit. Payet avance, une fin de son tir, le but. Payet qui marque et garde son équipe dans le match. Donc pour la victoire des Sags, Alex Wong. Ouais. En cas de but, va clore le débat.
La troisième, il l'avait vu venir. Alors, Mainville, meilleur buteur de l'équipe. Mainville récupère le disque. Ça va très large du côté gauche. Mainville s'avance. Son tir bloqué par Hernandez. Victoire des Hawks. Ils continuent leur séquence de victoire et mettent fin à la série. Ils continuent la série de défaites des Olympiques de Gatineau. Ouais. Donc, une belle victoire des Hawks, même si on aurait espéré ne pas se rendre en période de prolongation.